Bismillah, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment ça va? Ça va bien? La santé, les enfants, les parents, ça va bien? Bon, j'espère que vous allez bien avec ce confinement. Bon, ça va quand même, il est moins pire que le premier, mais alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, on va faire des crêpes farcies et en wrap. Vous allez voir, ça va être très amusant. Surtout si vous faites les crêpes avec les enfants, c'est sympa. Donc pour l'appareil à crêpes, je vous mettrai le lien. Hein, donc, parce que j'avais déjà fait une vidéo hein, de crêpes. Donc, et pour les ingrédients, vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Moi, j'ai pour les crêpes que j'ai cuites à la poêle, enfin les carrés, on va dire, j'ai mis du fromage, des pommes de terre que j'ai cuites à l'eau auparavant, coupées en petits morceaux, et puis fromage, et puis j'ai cassé un œuf dedans, ou c'est au thon, je sais plus, mais bref, j'ai un peu fait de tout en fait pour goûter. Donc. Et puis celles qui sont comme ça en forme de lune, j'ai mis que du fromage. Et seulement du fromage, surtout du cheddar. Donc voilà. Je vais les farcir aussi après. Donc, et puis, bah, comme je vous ai dit, hein, celle-ci c'est au jambon. Jambon de dinde, pommes de terre, fromage. J'ai cassé un œuf au milieu. Et puis j'ai salé, poivré, bien sûr. Hein. Et après on va replier avant que ça cuit, bien sûr à feu moyen pour que vous arrivez à suivre, hein, parce que si la crêpe elle est trop cuite, vous n'arriverez pas à faire le pliage, donc ça ne marchera pas. Donc voilà, et après ben, vous faites, franchement vous mettez ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre des carottes ou farcir vraiment avec ce dont vous avez envie, donc franchement c'est sympa. Donc voilà. Après les œufs, si vous voulez pas casser un œuf là-dedans, je veux dire directement dans la crêpe, vous pouvez cuire les œufs durs et puis ça revient au même. Hein. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini les crêpes farcies au carré, je vais faire celle en wrap, hein, c'est celle à la salade. Donc oui, ouais bon. J'aurais dû mettre cette séquence avec les autres séquences, mais bon, vous voyez, c'était un petit peu le bazar dans les séquences que j'avais fait. Donc après, c'est comme un puzzle hein, dans les vidéos. Il faut vraiment, voilà, c'est un casse-tête et c'est du travail, mais bon, j'assume. Donc ça, c'est les crêpes en éventail. On éventail, oui, on va dire un éventail, hein. Triangle, même pas un triangle, hein, c'est pas un triangle. Bon, bref, et puis vous mettez vraiment ce que vous voulez, franchement, il n'y a pas de, je veux dire, de limite, hein, si je puis dire, au niveau ingrédients, enfin, vraiment, vous pouvez personnaliser vraiment. Les crêpes, les farcir comme vous voulez, donc voilà. Voilà, j'en ai fait deux comme ça, sans partie, vite fait, bien fait. Donc pour la sauce, c'est celle que j'ai fait en lune, et je vais quand même les farcir. J'ai mis du fromage à l'intérieur, et voilà, je vais quand même, je vais dire, le faire en transformant en wrap. Donc j'ai mis de la salade, pardon, j'ai mis de la salade, des tomates, et des petites. Lamelles de jambon de dinde, et puis après j'ai mis la sauce par-dessus. C'était les préférés de tous parce que c'est frais, et puis voilà. Et puis après, vous mettez une jolie sauce par-dessus. Le lien de la sauce, je vous mettrai le lien de la sauce que vous mettrez sur ces crêpes-là. Ça va mieux avec parce que moi, la sauce que j'ai fait là. J'ai mis du ketchup, j'ai mis la sauce ketchup, j'ai mis sauce mayonnaise et l'autre sauce où il y a les herbes. Et du coup, je trouve que ça ne va pas avec les crêpes que j'ai fait là. Donc, c'est pour ça que je vous mettrai la sauce qui va avec.
Donc après, bah, je continue en fait à terminer mes crêpes. Voilà, jusque ce que j'ai plus. Ça, c'est les pommes de terre. J'ai fait aussi en petites lamelles, les tranches de pommes de terre, pardon. Et puis, ça nous donne un bon résultat et puis un bon repas hein, complet, puisque nous avons les pommes de terre, les tomates, la salade, les cornichons, on a tout dedans. Donc voilà, j'espère que cette recette, vous allez la refaire, qu'elle va vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetel Mladi, partagez, likez. À très bientôt, prenez soin de vous les amis.